Pourquoi l'horloge disparaît tout le temps? Moi j'aime bien avoir l'horloge. Bah on n'est pas sûr qu'il y aura des rubis dedans, Dark. Ça se trouve c'est un piece of art, hein. Putain mais non mais je me rends même pas, mais quel connard. Quel connard. Écoutez. Où suis-je? Ah, ça va. Avec une chance, ce sera un de 100, bah oui. Ok. Ah. On en a eu 4. Ouais, mais le problème, c'est que j'aimerais quand même trouver les bourses avant Dark. Parce que, voilà, les bourses vont me servir, hein, parce que être limité à 200, c'est pas ouf, hein. Donc, j'aimerais quand même avoir les bourses avant. Ouais, allez, ça fait 4 pieces of art. Bon, mes îles de fées. Alors, on a une juste là. Ah non, c'est pas ça. Western, voilà, elle est là. On pourrait y aller en... On pourrait passer par Four Aerith et tout. Il n'y a rien d'intéressant dans ces endroits-là. Donc, on pourrait y aller à pied. On pourrait y aller à pied. Enfin, à pied, en bateau. Ouais, mais avec ma chance... Par contre, il y a également un trésor random, et ça, Dark, je vais te le dire, parce que ça peut être important pour toi aussi. Quand tu donnes 15 gelées vertes à l'apothicaire, il te donne une récompense random, apparemment. Et pas les bleus, étrangement, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi? Je savais même pas qu'il y avait une tornade ici. Oh, l'appel de l'argent. Hein? Mais que pourquoi? Oh non, on se dirige droit dessus. Vite! Non, pas l'île de Tingue, il y a un calmar dans l'île de Tingue, j'ai pas envie. Bonjour. Quand on s'y dirige. Chaque fois, j'oublie de les faire, ah, ça. C'est bizarre que d'ailleurs, les gelées bleues n'aient pas d'importance. Ah, il y a des mini-jeux aussi à faire. Avec l'île des binocles, on a des mini-jeux à faire. On va peut-être les faire aussi, pour le truc de canon. Parce qu'on n'a pas Smish et Splush à faire, mais on a le truc du vrai canon de l'île des binocles à faire. Deux fois en plus. Alors par contre, j'espère qu'il est pas... que l'entrée n'est pas bloquée par... Oh! Il faut les voir, il me donne un truc. Donc... Bonjour? Yo! Merci! Bye! Extraordinaire! La chance de l'homme. Oh non, il faut la masse, putain, c'est celle-là qu'il faut la meute. Connard. Mais au moins, nous avons le grappin. Non, ceci n'a pas été vain. L'île de l'Est. L'île de l'Est. Thorne. Ouais. La Thorne. Mais on a aussi une à l'Est. C'est laquelle? Eastern Triangle. Ah putain. Ah, Eastern, elle est là, ok. On va peut-être pouvoir y aller. Oui, oui, ils se baladent au pif, hein, mais t'as de fortes chances de les trouver au Patcha, si jamais. Enfin, au Patcha, entre Mercantile et l'île de Dragon. Donc,
pour l'ouest, il me faut mon... Il me faut... Voilà. Vous avez compris. Il me faut la masse, voilà. Salut, Ario. Ça se passe bien pour l'instant. Tranquillement, pas vite, on trouve des trucs... tu feras toutes les cases. Ah oui, moi je ne les fais pas toutes parce que voilà, je vais à l'essentiel. Ben voilà, regardez, un truc simple, une roche, parfait. Mais il faut vraiment le faire longtemps des fois, hein, sinon il ne le prend pas en compte. Par contre, on a bientôt plus de bombes, ça sent mauvais. Hein. Des bombes, s'il vous plaît. Magnifique. Bon, l'est, c'est fait. Ah, bonjour, grande fée. Nana. Et nous avons maintenant un arc. C'est un upgrade? Mais... Mais j'ai pas l'arc! Elle m'a donné l'upgrade, mais j'ai même pas d'arc. C'est tellement utile. Oui, ça sera intéressant quand j'aurai un vrai arc. Voyez-vous. Ah, t'as eu pareil pour les bombes, t'as eu le sac de bombes, mais t'as pas eu les bombes tout court. Oh, terrible. Par contre, l'épineux, c'est le dernier. Je pense que l'épineux, lui, c'est aussi la masse qu'il me faut. Donc ça sert à rien, entre guillemets, de le faire. Ok. Ok, ok, nous avons des choses, nous avons des machins, nous avons des bazars. Je suis tellement déçu. On va aller faire le mini-jeu des binocles, même si j'ai 40 rubis, ça devrait être assez. Faudrait pas que je les rate. Quoi. Mais arrête. Oh, cette vue est magnifique. Pain, pain, pain. Peut-être pas par là quand même, hein, on va pas déconner. Ouais, par ici. Cette caméra. Parfait, c'est par là. Regardez-moi cette caméra magnifique. Alors, ça vous donnerait pas envie. D'ailleurs, je me demande si mon écran n'est pas trop saturé. La saturation, ça va. C'est-à-dire la vivacité des couleurs. Parce qu'on est déjà sur un jeu assez flashy de base. Donc voilà. Mais c'est trop flashy, n'hésitez pas. Hein. Moi je trouve. Parce que je sais pas, hier je trouvais ça un peu trop flashy, mais il faut que vous voyez vous. Les couleurs sont pas trop flashy, elles vous pètent pas trop les yeux. C'est nickel, ah ok. Parce que je peux le changer. Hein. C'est bon ou la sauvegarde est plus rapide aussi? Quoi, c'est 50 rupes? Moi. Ah bah voilà. Ça bave pas trop. Ouais. Comme je suis curé. 50 rubis mini-jeu, mais t'es sérieux? C'est quoi cette fortune? Ça marche pas.
Mais... Merci. Oui. 52. Hourra. Salut. Allez, 10 shoots. Ah oui, c'est vrai, on peut tirer sur le lion rouge pour qu'il considère qu'on touche une cible. J'ai oublié ça. Alors, lui, il est bien loin, on est bien d'accord. Ah, je peux aller à 50 maximum. Par contre, si la vue n'était pas aussi dégueulasse, ça m'arrangerait, voyez-vous. Ah, lui, il est très loin. Un peu trop proche, quand même, hein. Alors, lui, ici, ça va être loin, je pense. Aussi. Ça, j'ai honnêtement une disposition totalement pétée. Hein. Qui a besoin de cheater? Pour quelqu'un qui a des perspectives, pour des perspectives niquées, pas mal, hein. Bon, est-ce qu'il m'a donné le record ou bien le... Ah oui. Putain, je sais même pas s'il m'a donné le record. J'ai fait le premier en tout cas. Il paraît qu'il faut le faire deux fois. Tu vois qu'il m'a pas donné 100 rubis. Terrible. Alors, j'ai envie d'aller à la forteresse maudite, moi. Surtout qu'il va commencer à faire nuit. Donc on va vraiment être dans la zone de la forteresse. On n'a pas la masse, mais... On peut espérer. Il y a quand même pas mal de choses à avoir sans la masse. Donc toujours espérer. Puis comme ça au moins on aura déjà défoncé l'entrée. Moi je rentre. Moi je suis comme ça, je rentre moi. Alors les trucs de Terry à l'île de la Rocaille, j'ai pas assez d'argent, donc je les verrai pas. Ah, regardez, regardez. Oh! Il est magnifique, il a des yeux verts. Alors, j'ai pas de bouteille, donc je pourrais pas le faire, pas faire le... Mais j'ai appuyé! J'ai fait exprès, bien sûr, pour que tu viennes tout de suite vers moi. Ah, ça n'a pas marché. Mais j'attaque, connard. Mais je... Attends, y a un problème. Je suis censé avoir la Master Sword pour les repousser ou quoi? Je me fais défoncer. Mais t'es gueule. Mais j'ai pas la... Je me suis fait défoncer. Mais attends, c'est parce que j'ai pas la Master Sword ou bien je suis complètement nul? Mais... Ah ouais, là, totalement. Hein. Faut une bouteille, hein. C'est ça, faut une bouteille pour le combat. Faut la Master Sword, oh putain. Ah oui, mais je suis obligé de le battre en plus pour rentrer. Oh, quelle horreur.
Putain, c'est terrifiant tout ça. On va avoir un monstre. Il me semble que j'ai accès au donjon 1. Bon, on va le faire, hein. Donc Dragon Roost, j'ai deux quêtes. La quête avec le gars qui veut ses 20 plumes d'or et l'autre avec une lettre. J'ai un peu d'argent. L'épée niveau 1, c'est un peu de la merde, hein. J'avoue qu'on voudra une meilleure épée un jour. Hein. En fait, si j'avais su, j'aurais pu tout simplement aller en bas et lancer une bombe à cet endroit-là. Pour tout skip d'un coup. Ça aurait été bien plus utile. Et bien plus classe. Par contre, il est vénère quand il tire un truc là, voilà quoi. Bon bah allons-y. Surtout qu'ils vont me donner des trucs, les cons. Scaf me donne quelque chose, j'imagine. Bon, j'ai le grappin griffe, hein. Enfin le grappin normal, attention. Déjà exceptionnel. Ah! Au revoir! C'est bien avec ce décalage d'arc, tu connais le truc, mais et là je le vois trop tard. C'est lui qui veut les plumes d'or. Alors le mini-jeu, par contre, on n'est pas obligé de le faire pour les lettres de l'angoisse. Mais on va prendre en note. Tu me l'avais dit, oui, mais moi j'oublie. Hein. Mais qu'est-ce qu'il est con. C'est en bas la montagne de la mort. Bon, on va s'amuser. Mais oui, c'est clair, allez. Mais oui, c'est clair. Alors je ne me presse pas, hein. Voilà, tranquille. Ça, il va me donner de l'argent en plus. Ça ne coûte rien pour le faire et il me voilà. Alors le truc, c'est que je dois refaire 20 ou mieux en fait, alors que je l'ai fait. Mais bon. Non! Et ce stick à la con. Non. Oh, c'est bon. Comment ça, tu t'ennuies? Mais tu regardes le stream, c'est déjà suffisant, non? Bon, là c'est 25, je pense, qu'il veut. Là, on va commencer à un peu devoir se sortir les doigts du cul, n'est-ce pas? Heureusement qu'il n'y a pas de pénalité à se tromper. Tant que vous restez en bas, moi ça... Ah merde. Ah, dégoûté. Bon, ça me fait du pognon, c'est pas très grave.
Bah, le truc, c'est que si on invoque Dark, tu vas être totalement décalé. N'est-ce pas? Par rapport au stream. Et après, je dois allumer Discord et tout, donc c'est pas sûr que mon PC y survive, vois-tu. Putain. Mais... il est nul, il est nul. Et nous voici. Temple de la Terre. J'ai pas le chant du marionnettiste de toute façon. Ah non, il me le faut direct, le champ du marionnettisme, bah tout le projet. Hein. Au revoir. Oh, il y a des moblins, oui, on peut farmer les necklaces. Ils ont vraiment des couleurs dégueulasses, par contre. Hein. Alors, souvenons-nous de ce que Dark nous a appris. Paf! Ah merde, il y a son frère qui vient s'en mêler. Le truc des ennemis de ce jeu, c'est qu'ils t'attaquent tous en même temps, et dehors. Oh, salaud! Mon argent! Mon argent! Putain, j'avais 10 rubis, j'ai jamais eu! Ah ouais, t'es en mode chiant. Allez, attaque! Pas comme ça! Mais attaque-moi! Mais j'ai appuyé sur... Ah! Oh, connard de jeu! Oui, oui, parce qu'en termes de school, c'est différent. Mais il part toutes mes attaques, j'ai appuyé sur A pour faire l'attaque. L'attaque, il l'a pas faite, c'est pas ma faute. Mais putain, et voilà, il fait les mauvaises attaques. Allez, attaque-moi. Ben voilà. On sait pas pourquoi c'est pas passé la première fois. Ok. Tiens. Ok. Au revoir Médoli, c'était cool hein. Ah, un bon moment hein. Je suis obligé en plus de retourner à pied quoi. L'angoisse. L'angoisse absolue. C'était donc bien nul. Nous n'avons fait aucun coffre, hein, comme je tiens à le dire. Hein. C'est triste. Alors si ça se trouve, le randomizer veut que je fasse une... m'oblige, voyez-vous, à faire une quête chiante, genre trouver 20 colliers, 15 gelées vertes, juste pour pouvoir démarrer le randomizer, voyez-vous. Ça se trouve, le jeu est comme ça, le jeu est capable hein, de te faire chier comme ça. Hein. Allô? D'accord. Oui, mais c'est pas genre important de le faire son postman de... son postier? Parce que ça va me donner une lettre. Et les lettres, je les ai mises dans le randomizer. Oh, il faut faire le postman. Bon, c'est parti alors. On n'a pas le temps. Hein. Mais veux-tu bien arrêter de me mettre les plus extrêmes? On n'est pas très efficace aujourd'hui. Hein. Alors, ça va, il peut jamais baisser notre salaire. Hein. Mais putain, mais...
Et le truc, c'est que ce mini-jeu marche pas à la croix directionnelle. Ça aurait été vraiment pratique. J'ai vraiment pas de chance. Oh, j'ai pas de chance, hein. J'ai vraiment des spots à la con. J'ai vraiment des spots à la con. Bon, moi, ça me fait du pognon. Hein. Parce qu'il arrête de me payer après, donc... Mais putain! Non. Pas du tout. Alors ça, 25, c'est pas si dur que ça à faire. Hein. Il suffit juste de se concentrer un minimum. Le problème, c'est que vu que je suis un peu moins chaud. Mais Pepeman! Pepeman, c'est de pire en pire! La croix marche pas, hein. La croix aurait été tellement mieux pour ce mini-jeu-là. Et voilà, par exemple. Voilà, par exemple. Ah! Cruel, oui, on est d'accord. Hein. Le pire, c'est qu'il faut le faire deux fois à 25, hein, parce qu'après, t'as l'apprenti qui est là en mode « Oh, montre-moi comment tu fais, MDR !» Et là, il te paye pas, par contre, pour le faire, hein, donc c'est terrible. Hein. Non! Mais non, mais oui, bien évidemment. Ah. En temps réel, hein. Je travaillais, oui. J'aime travailler. Donc voici les clients du magasin, ils veulent tout ce que tu emballes. Alors en plus, bien ranger les trucs dans leur place, je devrais pouvoir faire vu que en emballant. C'est un peu la base, quoi. Hein. Mais quand t'es enfant, le machin est monstrueux. Hein. Oui! Quand j'étais petit, quand je l'ai fait en let's play à l'époque sur mon ancienne chaîne, j'ai pas eu de mal à le faire. Enfin... Oh, j'ai eu de la chance! J'étais, putain, j'allais à gauche et c'était bon. Oh, connard. Oui! J'ai glissé, chef. Bon, ça marche pas toujours, hein. On peut pas gagner à tous les coups apparemment. Hein. Alors je veux dire que c'est pas 20, plus de 25 parce que sinon là je me la coupe hein. Mais je pense pas. Mais non.
Vati, oui, c'est moi. Oh, t'inquiète, Dark. Bonjour! Salut! Oh, t'es Zelda Retro, wesh! T'es le mec qui fait plus de 25 lettres au mini-jeu de la poste! Je veux que tu fasses pareil parce que c'était pas assez dur de le faire une première fois. Fais-le une deuxième fois, mec. Vas-y, montre-moi comment tu fais. Je vais te montrer ça. Alors, t'écrases pas la tête ton bureau par contre, hein. Et il a une animation assez spéciale aussi quand il bouge la tête, hein, mais bon. Allez, 25 letters. C'est parti. Do your best. Tout ça pour poster une lettre après, hein, en fait. J'adore ce début. Concentre-toi! Non, mais il est plus dedans, là. Mais non, mais putain. J'ai une chatte incroyable dans le truc et je vais le rater. J'y crois pas. Bah, ça peut être n'importe où, ça peut être... Là, je les ai chopés. Sur la western, il me semble que je les avais trouvés. Ils peuvent surtout être là, à la paw print. En général, la première fois que tu les croises, ils sont là. Mais sinon, ils se baladent aléatoirement. Donc, je sais qu'ils sont, que ce spot-là, c'est un spot où ils sont là, parfois. Et sinon, je les ai croisés à la western. Donc, faut voir. Oui, on pourrait, tu peux faire ton randomizer de ton côté aussi, ça passe. C'est bon. De merde. Oh, il est pas dedans. Là. Oh, il est pas dedans. Là. Il est tellement pas dedans. Tellement pas dedans, il a plus rien à foutre. Là. Ouais, il en a plus rien à foutre. Il must be bushed, oui, tout à fait. Je suis bushed, tout à fait. Bon, allons-y. Fini de rigoler. Et voilà. Et encore, j'ai fait une erreur. Hein. Quand on se concentre, c'est pas assez dur. Il suffit d'être concentré, par contre. Hein. Oh my gosh! 26 letters, amazing! Poste ma lettre. Ah! Mais pourquoi il est... Il est pas dans ma liste! Il était pas dans ma liste! Il était pas dans ma liste. Mais il était pas dans ma liste. Mais putain, mais mes notes, je les ai faites avec le cul. Peu importe. Nous l'avons trouvé sans le vouloir, bien sûr. Ça valait la peine de se faire chier, hein. Bon, du coup, on va quand même pouvoir aller à Lilo Épineux et tout. Et on a assez d'argent, donc on pourra aller acheter nos bracelets de force. Oui, nous avons le School Hammer, tout à fait. Le School Hammer, n'oublions jamais le School Hammer. L'épineux. Turned. Allons-y. Hey, Adé, salut. Tu m'as écrit... Merde. Tu m'as écrit quelque chose, mais je ne l'ai pas vu, vu que je suis un peu distrait, man. Alors, attention, il y a un calmar géant dans la montagne de feu, donc on espère ne pas tomber dessus. Alors je pourrais... Le mini-jeu aussi... de la piste d'envol sera à faire, hein. Je rassure Dark. T'es en vacances officiellement. Ah oui, c'est ça que tu m'as écrit. Je ne l'avais point vu. Bon, on évite bien la zone pour le calmar, hein, parce que... voilà. Je pensais que tu passerais pas aujourd'hui, je suis content de te voir. Ouais, Starbelt, oui.
Quel génie. On verra si c'est le cas ici, en tout cas. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Oh, j'ai des couleurs tellement... Alors écoute, c'est un bon début pour le randomizer. Alors ce qui est bien, c'est qu'avec des VOD YouTube, il faudrait vraiment couper en morceaux. J'ai déjà des titres potentiels pour les VOD YouTube si je la coupais en plusieurs morceaux cette session-là. Partie 1, les enchères du pif. Partie 2, les lettres de l'amour. Ça va comme titre, non? Bah oui, attends. Et voilà. Donc voici le school hammer. Hein. On remerciera school de nous donner son hammer. D'accord, tout ça pour ça. Parce que si... Toujours plus... Hein ? Faut aller vite en plus. C'est bon, si on veut plus s'amuser... Ouais, c'est retenu par le bot, Adé, pas de chance. Salaud interdit, voilà, tout à fait. Triste, hein. Mais oui, MDR. Vous voulez venir voir ma nouvelle maison? Oui. Merde. Oui! Oui! Enfin! Enfin, on pourra porter plus de pognon! Et en dépenser beaucoup plus! Ah! C'est bien ça. Ah oui, vous, vous êtes important, vous! Y'a pas de trou là-dedans? Y'a pas de caverne à cet endroit-là? Eh attends, c'est quoi ça? Ah, c'est quoi ce grappin? J'ai une lettre! Ah merde. Oui, El Maroc, oui, oui, mais on y pensera, mais j'ai pas la Master Sword. Et là, il me donne la Master Sword. One letter, allez c'est parti. Ah, à Découlif, à Joy pendant, or à Triforce Shard 7, bah voilà. Rockspire, d'accord. Et il me donne à Triforce Shard 5. Donc on a trouvé un emplacement d'un des fragments de Triforce. Donc j'ai deux lettres. Je pensais qu'il y avait un truc sur le petit pic de merde, mais... Par contre, toutes ces lettres de Triforce, faudrait un jour choper un vrai item, quoi, donc... Bon, allons-y. Allons à l'îlot de l'Ouest, comme ça on aura fait vraiment toutes les grandes fées, sauf celle de l'île de l'Aurore, mais il me faut la fée Mono. Oui, une bouteille ou la Master Sword, c'est vrai. Mais je préférerais la Master Sword. Mais titit. Là c'est la serrure de pierre, là c'est l'île de merde. Mais c'est comme ça, c'est comme ça. On n'y peut rien. Oui d'ailleurs on peut tenter d'y aller en super swim. Histoire de... Vu que j'aime bien faire chier le monde. Ah oui, le fil à papillon, c'est la vie, hein, par contre, c'est vrai, ça. Un petit super swim. Ça vous tente, un petit... Comme ça, Dark, il va arrêter de dire que je le plagie pour mes techniques. De nage rapide. Alors, on peut monter là-dessus. Alors, on peut monter là-dessus, sa mère. Pas comme ça. Ou si. Ah oui, d'accord, oui. Ok.
Elle est vers le nord-est. Hein. Alors, faut pas parler à personne, sinon on déclenche un dialogue. Ah oui, AD, il va voir ma magie. Noir. Vous voulez vomir? Merde, j'ai pas assez de vitesse, pauvre con. Oh, il se fait mal. Je vais aller à l'île des fées, AD. Calme-toi. Je peux le faire. Je vais vaincre mon handicap. À l'époque, quand j'étais petit, je savais les faire, mes super swims. Putain, enfin, quand j'étais petit. En 2012, quoi. Quand vous étiez petit, finalement. Faut vraiment le faire vite. Hein. Mais ça, c'était avant, oui, c'est ça, quoi. Non, mais je te jure que je savais le faire. Regarde, déjà, rien que là, que je sache le spot, voilà, quoi, ça veut déjà dire des choses. Ça veut dire qu'il y a une mémoire, quand même. Rendez-moi ma vie d'avant, bordel. Oh, il est trop haut, sa mère. Je l'ai? Oui. Il faut l'avoir en main, hein, sinon ça marche pas. Hein. Quand je commençais YouTube. Et moi donc, hein? Bah, c'était en même temps que quand j'ai fait le let's play sur Windwaker pour ceux qui l'ont suivi à l'époque. À 100%, en 3 coeurs, hein, n'est-ce pas? En 3 coeurs plus 100%. Une bonne époque, hein. Avec une qualité dégueulasse, d'ailleurs, hein. Le boîtier était vraiment dégueulasse. Un Dazzel. Ça existe même plus, ça. Hein. Mais c'était la mode en 2011. Sachez-le. Vous pouvez capturer qu'en 480p, mais c'était déjà le feu. Oui, n'est-ce pas? C'était mieux. C'est juste pour être sûr de... Au T c'était différent, hein. C'était déjà plus le même contexte. Oh oui! Et voilà. Ah. Quelle horreur! Ah, bah oui, mais là. Ça rappelle un peu pour AD le backward long jump, finalement, ce glitch. Voilà. C'est à force de faire des demi-tours répétés. Enfin, si on atteint une vitesse extrêmement folle en étant à l'envers.
C'est un peu le Belgique finalement. Oui! Je sais, il en reste deux à trouver. À trouver l'emplacement, il y en a un que je dois acheter encore. Mais non. Oui, c'est facile, oui, c'est tellement facile. Par contre, mon bateau, il est où? Bon, mais il reste plus que l'île de l'Aurore, donc faudrait trouver la... La machin, hein. Faudrait trouver la... La... La feuille Mojo, voilà, tout à fait. T'es meilleur que Dark, mais non, c'est pas ça, c'est faux. Comment ça? Ah oui, oui, c'est mes 7 teams de plus. Mais j'ai surtout autre chose à foutre après le randomizer, donc désolé, hein. Voilà. Désolé d'avoir une série prévue que j'ai hâte de faire. Bon, par contre, c'est bien beau d'avoir tout ça, mais on n'a pas le grappin, le grappin griffe. Non mais c'est Twitch qui censure, pas moi. Bon, une chance sur deux quand même de le choper, hein. On rappelle, hein. Oui! Ok. Ah oui, j'avoue, c'est tellement Ocarina Knight. Oh! Il me reste 53 secondes, j'ai le temps, hein. Voilà. Ah, déjà. Connasse. Non! Mais putain, notre assiette! Putain, mais arrête d'appuyer sur B, pauvre con! J'ai appuyé trop! Voilà, c'est pas grave, hein. Time is running out. Ah non. Tiens, ta gueule, 10. Oh putain, c'est chaud. Putain, je vais devoir vous fermer le clapet pendant longtemps. Je sais pas de qui tu parles, là, Adé. Je vais me préparer au cas où il y en a un qui... Connard ! Non ! Ma tiette ! Super Brioche est apparemment censuré par le bot de Twitch, alors il a peut-être mis une sécurité sur son nom. Ah, vous avez entendu le... On serait cru dans Question pour un champion. Vous savez dans Question pour un champion, quand il dit les questions et que les autres ils sont en train de parler et que là ils sont là en mode... Et comme Julien Lepers, il devait faire « Calmez-vous, calmez-vous !» On n'entend même pas ce qu'elle dit.
Ah, faudra le clipper, ça. Hein. C'était vraiment les enchères de la mort, là. Oh, il me donne plus d'argent maintenant que j'ai une grosse bourse. Incroyable. Ah, j'avoue, les épreuves de fin d'année par mail, ça va être une dimension incroyable. On va commencer à parler aux parents. J'enclenche le mom challenge. en tout cas, nous les avons faites nos enchères. Ouh, un peu d'émotion là, mais on s'en sort.